Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka. Aujourd'hui on se retrouve pour la finale du Grand Slam 2022. Enfin, ça y est, je rappelle que c'est un tournoi qui a eu lieu en décembre et on en voit le bout. Du coup, Jonas Weltic, 6e dan, va affronter Pavel Lissy, 2e dan, professionnel. Et la partie va être très 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 intéressante, vous allez voir ça. On va bien s'amuser. Tout d'abord, merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et Utip. Ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas à checker les liens dans la description pour voir les contreparties qui pourraient vous intéresser. Et n'hésitez pas non plus à profiter de ça, de cliquer sur le lien menant au cours de Go que je donne sur Internet tout au long de l'année et en présentiel à Bruxelles. N'hésitez pas à profiter de la nouvelle formule du groupe d'études par Internet. Jonas sera blanc, Pavel sera noir, et c'est parti. On a un Tengen, les amis, de la part de Pavel, qui se dit peut-être... Il y a Jonas, il est très porté influence en ce moment, peut-être qu'on va essayer de le contrer ou on va essayer de s'amuser un peu avec lui à jouer au même jeu et pour le coup du coup Tengen, pourquoi pas. Moi je trouve ça assez intéressant, on va voir un petit peu comment ils vont gérer la chose tous les deux. Et du coup blanc, Komoku, noir approche directement, il ne laisse pas respirer Jonas directement, il vient lui enlever cette extension de Chimari. On a un développement possible du coup pour noir sur le côté gauche, blanc empêche le développement du côté gauche en jouant un Komoku du coup en C16, dévalorisant quand même pas mal ce bord gauche mine de rien, puisqu'une approche sera plus compliquée d'un Komoku de ce côté là. Et du coup, vu que blanc n'a pas répondu à l'approche de noir, noir dit tout de suite je vais utiliser immédiatement ce Tengen pour pincer le Komoku, lui dire t'es pas vivant localement, tu vas devoir faire des actions qui vont me construire. En fait, le Tengen au milieu, les amis, c'est quand même un coup qui est très lent, dans le sens où il ne fait pas de points. Il rayonne vers le milieu du plateau, effectivement, mais il ne donne pas de points. Il permet aussi d'avoir la majorité, à mon avis, des chichos, donc c'est quand même assez intéressant. Et il faut arriver à s'en servir pour construire des zones. Il faut s'en servir pour essayer de créer des zones, mais aussi, il peut aider pour les combats. Donc, il n'apporte pas de points directement, mais il apporte d'autres options qu'il faut apprendre à savoir, il faut apprendre à utiliser. Donc, quand noir pince, il essaye d'utiliser déjà le Tengen dans « on va vers le centre », c'est moi qui est fort vers le centre parce que j'ai Tengen qui va m'aider à ce genre de choses. Donc, on voit aussi que le Borba peut être maintenant un peu intéressant à développer pour noir s'il obtient par exemple R4, ce genre de choses. Dans la partie du coup, blanc a besoin de répondre, il a envie de ne pas se laisser enfermer, donc blanc, Kosumi. Noir monte, commence à créer un mur sur le Borba, blanc saute. Noir empêche la gueule du tigre, blanc va devoir connecter, et puis noir s'étend sur le côté gauche, la base de vie. On n'a pas envie de se laisser capturer C5 trop facilement parce que C5 réduit la base de vie des pierres blanches localement, donc c'est très important. Noir, blanc vient, ne répond pas localement, il va directement jouer Q3 qui réduit, encore une fois, comme C16 l'a fait pour le côté gauche, l'intérêt du Borba. Donc maintenant, une extension en bas, ça peut être intéressant de faire quelques points, mais c'est pas, on va pas avoir une très très grande zone. Donc le Komoku dérange pas mal. Noir continue d'attaquer ses pierres blanches parce que blanc a joué ailleurs quand même, donc c'est dangereux. Est-ce que blanc est vivant localement? Est-ce que vous auriez joué ailleurs? C'est quand même... faut quand même bien réfléchir à toutes les possibilités qu'on a. Et c'est vrai que Q3, si on l'a, c'est quand même génial, quoi. En tant que pour blanc, on réduit quand même beaucoup un intérêt. Donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant, mais il faut être sûr de vivre localement ou d'avoir plein de possibilités de s'en sortir. Donc c'est pas facile. Dans la partie, blanc saute, évidemment, dernière direction possible de sortie. Noir menace de couper, blanc connecte très simplement, et ensuite noir saute et s'étend sur la quatrième ligne ici, et il dit prochain coup, si tu ne fais rien, eh ben je vais envisager de t'enfermer tout simplement avec F9 et tu vas devoir vivre localement. Ça c'est très très important. Si noir arrive à jouer F9, il aura une sorte de force vers le centre plus grande. Donc c'est une direction que blanc n'a peut-être pas envie de laisser faire, mais on a aussi le coin qui permettrait peut-être de vivre directement et d'aller envisager de jouer le coin en haut à droite en premier, ce genre de choses. Maintenant, quand on doit vivre souvent goté. C'est-à-dire jouer un coup pour vivre, c'est souvent goté. Si vous arrivez à vivre sente, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais celui qui doit vivre goté, celui qui doit vivre doit en général être goté parce qu'il se fait attaquer actuellement. Et celui qui attaque, en général, peut dire « j'arrête d'attaquer » pour aller jouer un coup ailleurs. Du coup, blanc joue le Kosumi ici, ça lui permet d'avoir le coin, mais noir, année, et
crée déjà s'occupe de sa base de vie, mais crée aussi une position pas très très agréable pour Blanc, puisque imaginons que Blanc joue ailleurs, rien que le coup là est très embêtant. Pourquoi ? Parce que on est ici, ça se passe comme ça, et là ça ne marche pas, Blanc ne peut pas capturer les deux pierres. Ça veut dire que ça enlève complètement la base de vie du groupe de Blanc. Localement, on ne serait pas du tout vivant, pendant que Noir fait des points, fait des points, fait des points. Donc c'est très dangereux ici, Blanc doit probablement rajouter un coup pour s'occuper de son groupe. Il vient jouer E2, qui grandit la zone. Noir descend, et puis Blanc se permet de jouer Q17, un coup ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vivant dans le coin ou pas? Très compliqué, mais là, toutes les pierres de noir sont quand même rassemblées ici, pas trop de points, ici, un groupe qui vit, pas trop de points non plus. Donc j'ai l'impression que là, Blanc se commence à se dire, mais j'ai 4 coins là, je vais commencer à avoir 4 coins. Mais est-ce que le coin en bas à gauche est vivant? Eh ben Noir pose tout de suite la question. Et vous avez vu, c'est assez étrange, mais Noir joue tout de suite tout plein de coups en bas à gauche. Il continue d'attaquer. Il sait que l'adversaire gagne des coups ailleurs, mais il continue d'attaquer. Donc là, ben, grande question, parce que s'il joue ça, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, quoi. Donc là, Blanc, année, Noir, C2, donc c'est très important parce que déjà on empêche de faire facilement un œil, mais c'est pas si facile. Il faut d'abord enfermer, donc on enferme, mais est-ce que localement, Blanc ne peut pas vivre déjà? Eh ben, Blanc va faire cet échange. Menace de coupe, donc la noire a envie de connecter. Et ensuite, il va venir jouer E3, qui lui permet de faire donc l'œil dans cette zone-là. Et il y a un autre œil qui peut se faire ici quand Blanc jouerait D5. Donc c'est assez important, mais actuellement, si Noir veut empêcher Blanc de faire 2 yeux, il devrait avoir un coup en B1 et un coup en D5. C'est très important. Donc si Noir vient jouer D5, Blanc peut jouer le coup en B1, Noir fait cet échange et Blanc descend en E1 et c'est un coup qui peut durer très très longtemps. Dans la partie, Noir maintenant vient jouer C14 qui lui permet de s'étendre, faire des points. C'est évidemment un bord moins intéressant actuellement parce que le bord haut est gigantesque, le bord droit est gigantesque. Hein. En plus c'est deux extensions, enfin c'est deux Komoku qui s'opposent hein, sur le bord droit. Donc c'est évidemment très très grand. Mais il y a aussi une chose à faire attention, c'est que si on va jouer éventuellement ailleurs, Blanc peut peut-être sortir ces pierres là et dire tu as besoin de vivre sur le côté gauche, il y a un semeai qui va se faire. Où sont les points de noir en fait? Donc Noir rajoute ça, il commence à faire des points, il pose des questions. Blanc est quand même content de s'étendre en E16 pour valider des points du coin en faisant un Shimari. Le bord haut étant intéressant, on est content de s'étendre dessus. Et Noir maintenant, il y a peut-être encore un petit peu d'Adji sur le côté gauche, mais il a rajouté C14 qui lui donne plus de maîtrise, de contrôle sur ce bord. Maintenant vient empêcher Blanc de faire tout à droite par exemple et approche en Q5. Alors c'est évidemment une zone qu'on pourrait vouloir développer, donc pour l'instant il joue proche de ça parce que c'est une suite normale de son Tengen quoi. Il a besoin de créer des zones qui sont liées à ce Tengen de plus en plus pour concrétiser des choses. Il peut pas jouer genre ailleurs. On peut évidemment envisager de jouer par là, mais l'idée c'est que la zone la plus simple pour Noir à développer est quand même en bas centre et Q5 est une suite normale. Je pense que Q15, peut-être que ça peut se faire un peu plus embêté quoi, un peu plus facilement embêté. Bon soit, je pense qu'il y a plein de possibilités quoi qu'il arrive. Blanc très simple, fait des points, va sur le bord bas, s'étend sur le bord bas, ce qui permet de réduire un petit peu le potentiel que Noir peut se faire sur ce bord bas. Noir essaye encore une fois de mettre la pression la plus totale sur le groupe et dit ben, je vais faire des points et en même temps je réduis la tienne, je vais peut-être te poser des questions existentielles de vie. Blanc, coup de contact, va construire évidemment l'adversaire mais a au moins un accès vers le centre et Noir monte ici disant oui, je fais des points au centre et oui, tu peux couper. Donc Blanc coupe immédiatement et on voit que depuis tout à l'heure, Blanc il est dans je fais des points, je fais des points, je fais des points, je fais des points. Et j'essaye de t'embêter le plus possible, évidemment à chaque fois. Blanc fait des points. Blanc continue à faire des points, il a validé des points à Noir cette fois-ci, mais dans une zone où c'est quand même deux murs qui se regardent très proches. Donc c'est légèrement, à mon avis, un peu surconcentré, mais il y a quand même encore une belle zone à développer, sachant que le bord droit est encore à développer, le bord haut, on peut peut-être empêcher quand même de faire des choses. Mais donc tout ça, c'est la zone pour moi la plus importante, c'est du coup ce bord droit centre qu'il va falloir négocier maintenant. Dans la partie du coup Noir réduit un petit peu le coin, Blanc il dit « je ne veux pas juste
être sur la deuxième ligne, je vais avoir plus parce que je suis vivant peut-être déjà avec ce que je viens d'obtenir avec la coupe en L3. Donc je vais couper noir Atari, enfin coupe blanc Atari de ce côté-là, noir descend et puis blanc descend en Q2. Il y a évidemment des choses à lire comme le fait que noir pourrait vivre localement, mais vu que blanc est vivant de ce côté-là, si, alors si on veut vivre comme ceci, il faut rajouter ce coup-là, ce qui fait que blanc pourrait juste dire je me renforce vers l'extérieur. Les deux pierres qui sont ici, bah, elles ont l'air assez faibles et il n'y a plus vraiment de développement pour noir. Il n'y a plus vraiment de développement pour noir. Le Tengen ne servira plus vraiment ici, j'ai l'impression. Ça a l'air très compliqué parce que blanc est très fort en extérieur et noir a besoin d'utiliser le Tengen encore. Si à ce stade-ci de la partie, il ne peut plus utiliser le Tengen, dites-vous qu'il a utilisé le Tengen uniquement pour ça ? Pour ça, c'est tout ? C'est pas assez. Donc, il doit continuer à utiliser ce Tengen et le meilleur moyen, c'est de continuer à être fort en extérieur. Donc, je pense qu'il se renforce de ce côté-là parce que le bord droit est très important pour utiliser le Tengen, continuer à l'utiliser. Et il développe le maximum de possibilités sur ce bord droit. Évidemment, on peut encore envahir, on peut encore séparer, mais il a besoin de créer des zones les plus grandes pour créer des combats et utiliser le Tengen. Donc, le bord droit étant la bonne direction, il s'étend et blanc pince. Parce que le bord droit est trop important. On a besoin de se battre pour ce bord. Il pince bas et noir Kosumi, un coup qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps, je trouve, qui permet de bien contrer le coup en R13. Hein. Je rappelle, si vous envisagez un Tobi dans ce sens, blanc peut très simplement connecter ses pierres. Si vous envisagez de couper, ça ne fonctionnera pas, puisque vous avez besoin de revenir ici pour connecter. Si vous descendez ici, c'est Atari capture. Donc c'est un peu embêtant. Donc le meilleur coup pour séparer, bah, c'est soit Tobi vers le bas plutôt, et là vous séparez définitivement, il y a même des Joseki où on vient à séparer les pierres qui sont là, il y a petite action, l'action qui est ici par exemple, où ça se passe comme ça, comme ceci, et on vient sacrifier la pierre pour dire en fait je vais récupérer le coin et tu vas pouvoir attaquer mes pierres en haut. Mais on voit que blanc s'est installé à droite, blanc a une attaque sur le groupe en haut, peut-être qu'en termes de direction c'est pas le meilleur moyen d'utiliser le Tengen du tout. Donc, dans la partie noir Kosumi, un coup en cinquième ligne, un coup qui sépare les deux pierres du coin et de la pince, mais qui continue d'utiliser le Tengen, du coup, par un combat. Ici, blanc joue très très loin et séparé, mais qui attaque un petit peu quand même les quatre pierres de noir en bas à droite, en enlevant un petit peu une extension idéale de base de vie. Noir vient sauter vers le centre, il fait des points, il ferme un petit peu la position du bord droit, c'est-à-dire que les pierres blanches vont être enfermées, et vient en même temps tenter de connecter ses pierres. Blanc saute en Q11 et trouve une base de vie en quatrième ligne si vous voulez, mais relie ses pierres en tout cas. La base de vie évidemment, bah noir, si noir peut jouer en dessous, c'est quand même assez compliqué. Noir joue en dessous maintenant et réduit cette base de vie. Blanc Kosumi, noir pousse, blanc année, et noir maintenant vient définitivement dire ok, je continue de faire des choses au centre, mais je connecte aussi mes pierres à droite, elles ont besoin de base de vie, et j'ai pas juste envie de dire enferme-moi. Et en fait, si blanc enferme le groupe à droite de noir, blanc va être très fort en extérieur, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie. Donc noir continue de dire je me renforce, je ne laisse pas de groupe trop faible, en tout cas dans la zone où j'ai envie de faire des points, parce que définitivement, noir a envie de faire des points dans cette zone-là et de l'agrandir. C'est... N'oubliez pas que c'est hyper important. Il y a des moments où on a envie de faire un moyo, comme noir a géré à droite, mais il y a des endroits où on a envie de faire des points. Donc on va pas créer des faiblesses dans des zones où on a envie de faire des points. Donc dans la partie blanc vient jouer le Kosumi en R16 qui réduit, qui empêche noir de jouer R17 et de ce coup attaque bien les deux pierres. Noir n'a pas beaucoup d'options, il peut séparer à droite comme il va le faire ici parce que le groupe de blanc à droite a besoin de faire deux yeux encore et il y a plein de choses à réfléchir. Le clamp, ça c'est une des choses principales à réfléchir dans cette position, S12 éventuellement, mais je crois que le clamp est beaucoup plus intéressant, et du coup blanc saute en O16 pour dire je fais des points sur la 4ème ligne sur le bord haut. Évidemment, vous le savez, c'est aussi un coup qui attaque les pierres de noir, mais vous le savez, il y a une faiblesse en P17, noir va d'abord sauter en O11 pour enfermer, ou en tout cas dire j'attaque tes pierres à droite, il faut que tu fasses quelque chose, blanc vient jouer l'œil d'éléphant, noir Kosumi, blanc recule, et noir connecte ses pierres, quoi qu'il arrive, il dit mes pierres à droite sont vivantes, elles sont connectées. Blanc a fait cette action pour dire je réduis le centre et en même temps, bah, petit à petit, je trouve un moyen, pendant que tu as envie de faire ton centre, de dire je vais vivre tout simplement en m'agrandissant. Mais dans la partie, noir ne répond pas à ce coup-là. Il vient directement jouer la faiblesse en P17 et va s'installer sur le bord haut
En même, par la même occasion, il essaye de rendre les pierres au centre de blanc faibles grâce à son Tengen, mais en même temps, de dire tes pierres dans le coin, elles vont devoir vivre à un moment donné, tu vas pas pouvoir avoir les deux. Par contre, avec cette action, quand blanc joue par exemple le mur de 4 comme vous le voyez ici, évidemment ça attaque les pierres de noir au-dessus, mais ça attaque un peu aussi les pierres de noir à droite, puisqu'il y a quand même un Nogema, c'est un saut de deux intersections, et à un moment donné, c'est quand même coupable. Donc, il faut faire attention à ce que les pierres de noir ne soient pas trop trop faibles non plus. Dans la partie, du coup, noir continue d'avoir plus de base de vie. À un moment donné, blanc doit revenir pour s'occuper de son coin. Blanc fait le année, noir année, et puis blanc double année pour dire bah, « je vais pouvoir capturer tes pierres. Si tu fais ceci, boum, 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 on fait ça, ça, et je capture tes quatre pierres. Donc, mon coin est vivant. Si on fait ça, c'est direct, hein, vous le voyez bien. » Donc, dans la partie, noir rajoute Q18, qui est un coup très important à jouer, quoi qu'il arrive. Par noir, blanc répond bien entendu et noir vient connecter. Donc il dit tu vas pouvoir capturer L18 mais je vais pouvoir tuer ton coin. Dans la partie blanc capture M18 mais quand noir fait Atari, blanc va surtout s'occuper de son coin. Noir année pour bloquer, blanc connecte, noir a besoin de connecter mais va d'abord dire il y a une coupe, je vais d'abord couper ici. Et je vais monter et je vais capturer tes 4 pierres parce que j'ai plus de liberté, j'ai un œil en plus. Dans la partie blanc sort évidemment ses pierres et quand il sort, bien entendu, vous le sentez bien, il affaiblit ça et noir doit toujours se poser des questions vis-à-vis de, des pierres qui sont en haut. Et il doit capturer M19 ou tuer le coin éventuellement. Dans la partie noir connecte ses pierres, c'est trop important et ensuite blanc se renforce vers l'extérieur en s'ajoutant des libertés. C'est très important parce que, de 1, il a besoin de vivre, les pierres au centre, elles sont entourées de pierres noires. Noir fait Atari d'abord et connecte. Mais attends, blanc a 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. Blanc a 6 libertés. Est-ce que le groupe en haut de noir, si blanc capture L18, a plus que 6 libertés ? Dans la partie du coup, blanc capture parce qu'il a le Sente et noir fait l'œil. Blanc empêche les deux yeux. Les amis, ça a l'air compliqué. Blanc a quand même pas mal de liberté, mine de rien. Est-ce que cet échange au centre suffirait à blanc de dire « je capture tes pierres » ? Dans la partie noir enlève une liberté, blanc enlève une liberté, même si elle est indirecte, hein, concrètement ça n'enlève pas une liberté, mais en tout cas, ça permet d'aller en N19 juste après. Donc dans la partie noir joue R14, blanc descend. Quand noir fait le année, blanc joue directement R19. Donc c'est un coup qui fait vivre blanc et qui enlève une liberté au groupe de noir au-dessus. Maintenant le groupe de noir au-dessus n'a plus que 3 libertés. N19, P19 et puis O18. Le groupe de blanc au milieu a toujours 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Donc il y a au moins 2 libertés d'avance. Dans la partie noir maintenant qu'il a obtenu T15, fait le clamp en S11 que je vous ai parlé tout à l'heure, il attaque la base de vie et ensuite il répond en N7. Pourquoi N7 ? Parce que s'il répond ça, il y a quand même cet échange là à faire attention puisque blanc peut couper et le groupe à droite de noir n'est pas vivant localement, donc très dangereux, il joue du coup l'angle vide parce que ça lui permet de connecter ses pierres. Si ça se passe comme ça, on peut répondre très simplement. Ça lui permet aussi de répondre et de fermer un peu plus son centre. Blanc pousse puisqu'il sait qu'il a des libertés d'avance et ensuite il monte en Q13, coup très important qui empêche blanc noir de le jouer et d'avoir un œil éventuellement, mais aussi qui s'agrandit son nombre d'intersections dans sa zone. Noir menace de couper, blanc descend en T13 et ensuite noir ne répond pas et va jouer en H17. Il essaye d'attaquer, de réduire le bord haut par la même occasion. De toute façon blanc peut jouer ça, c'est pas trop important, c'est déjà vivant. Et si noir empêche par exemple ceci, blanc peut capturer la pierre qui se trouve là et du coup de faire une zone qui a pas mal d'intersections et même potentiellement deux yeux quoi. Donc dans la partie noir se dit ok on verra plus tard, je vais jouer en haut sur le bord haut, je vais séparer les pierres qui se trouvent ici, peut-être obliger mon adversaire à capturer ça, ça peut être une idée et en même temps je détruirai du coup cette zone là. Dans la partie du coup blanc ne répond pas localement et va jouer d'abord un premier coup en G6, noir ne répond pas et enlève directement des libertés. Ok, blanc joue dans l'œil d'éléphant et sépare les pierres. Du coup noir saute, blanc coupe, parce qu'il y a une coupe, il n'y a pas beaucoup de libertés sur les pierres qui sont coupées, on a 3 libertés et 2 libertés. Dans la partie noir connecte ses pierres d'une certaine manière et enferme le groupe de blanc haut. Et blanc vient jouer le Kosumi ici, et quand noir joue le coup qui est ici, blanc doit faire attention. Donc blanc fait d'abord cet échange là qui est Sente. Et ensuite, quand noir fait ça, il protège la coupe. C'est-à-dire que si blanc pousse là, vous voyez bien que la pierre en H13 protège. Si maintenant blanc avait poussé ici, noir était protégé aussi. Mais à ce stade-là de la partie, quand blanc fait cette action-là, si blanc éventuellement va jouer ailleurs, eh bien noir peut maintenant descendre ici. Si blanc
connecte, noir peut enlever des libertés au groupe de blanc. Si blanc enlève une liberté en N19, noir fait atari sur les pierres de blanc et donc se fait capturer. Ça veut dire que ça ne marche pas, on n'a pas envie d'enlever une liberté intérieure, on enlève une liberté extérieure en général. Oui, mais ici c'est pareil, sauf que maintenant on arrive à un séki. Ni noir ne peut jouer N19, ni blanc ne peut jouer N19. Donc ça veut dire que blanc doit tout de suite enlever une liberté. Mais si blanc enlève tout de suite une liberté, en fait c'est directement atari, atari, et c'est capturé. Donc ça ne marche pas, du coup on doit faire cet échange-là, mais du coup blanc ne pourra pas jouer N19. Il devra connecter ici, mais bleu noir enlèvera toujours une liberté, ce qui fait que blanc n'en aura toujours que deux, et ne pourra jamais jouer N19. Donc dans la partie c'est santé. Noir a fait une action ici qui est santé. Il peut dire je vais capturer. Donc blanc rajoute P19, très important. Dans la partie du coup maintenant, ben, on voit bien que noir a le santé et va tenter de faire des choses dans cette zone là. Les deux pierres au centre ici, elles ont l'air quand même bien enfermées également. Donc la zone centrale a l'air totalement à noir. Dans la partie du coup, blanc, vous l'avez vu, a joué le coup en C10, poser quelques questions de liberté. On fait le hané, noir recule très simplement, blanc hané aussi, noir joue le coup en B7. Et en fait, il faut savoir, probablement le CMI c'est noir qui le gagne. Donc blanc va essayer d'utiliser un petit peu les pierres qui sont là, sur le court ou moyen ou long terme. Donc pour l'instant c'est du court terme, parce qu'il va tout de suite utiliser pour faire du yossé sente. Dans la partie noire joue d'abord A4 qui menace de couper, et ensuite il descend en, en B4. De toute façon A4 c'est un yossé qui va être très important pour la vie du groupe de blanc, et qui donne déjà plus de liberté, voire plus de vie au groupe de noir. Donc c'est pas du tout un mauvais coup, et il le fait en bon timing. Là blanc maintenant vient jouer G18, noir descend, dit du coup je vais t'enlever des libertés, il faut que tu fasses attention. Donc blanc enlève cette liberté, et noir maintenant répond enfin au coup en G6. Donc vous voyez, toute la zone centrale elle est à noir a priori, hein. Elle est à noir. Donc blanc menace de capturer la pierre, menace de rentrer dans la zone centrale. Noir fait le hané, blanc capture cette pierre du coup, et puis dit attention que je vais couper. Et il essaye de trouver des problèmes chez noir. Avec différentes coupes, il y a quand même plein de coupes à réfléchir. Blanc rajoute enfin P11. A priori ça a l'air vivant. Du coup noir répond ici, c'est très important. Et blanc maintenant pousse et coupe dans cette zone là pour créer d'autres problèmes. Les autres problèmes sont liés à ce groupe là évidemment. C'est donc ces trois pierres qui n'ont qu'une seule, qui n'ont que deux libertés, avec une coupe ici, ces pierres ici qui peuvent être peut-être séparées, la pierre là qui n'a que deux libertés également. Du coup il y a peut-être des CMI à lire, un CMI à lire avec ça. Donc plein de questions à se poser, ça n'a pas l'air si simple, et surtout que blanc peut encore jouer F6 et rentrer dans la zone de points qui se trouve là. Mais qui gagne actuellement en termes de points? Ça a l'air d'être un gros coin pour blanc, un gros coin pour blanc, un gros coin pour blanc et un coin normal pour blanc. Où sont les points de noir? Est-ce que le centre va être suffisant? Dans la partie du coup, blanc pousse, noir capture, blanc pousse et dit je vais connecter par en dessous, ce qui fait que blanc, noir il dit non je te laisse pas faire. Mais du coup blanc connecte, noir joue le point vital pour dire je dois t'empêcher, si tu vis mon coin il est, t'as capturé un plus gros, encore plus de pierres. Donc blanc vient jouer le point vital également, parce que dites-vous que grâce à A4, si noir joue A6, il y a deux yeux, A5 et B4, et B6 pardon. Ça veut dire que quand noir joue le point vital, blanc il joue le point vital et il dit il y a un CMI qui va se faire. Ben, vous le voyez bien, noir va capturer cette pierre, mais quand blanc fait atari ici, noir peut capturer, mais non, blanc peut faire atari là. Ce qui fait que globalement, on va arriver à une sorte de CMI entre les deux groupes. Dans la partie, ce n'est pas ce qui se passe tout de suite, ça va arriver, mais blanc joue tout de suite F6, noir pousse, blanc ensuite il tourne et ferme sa zone. Blanc continue de pousser et a une entrée du coup vers le bord bas, hein. Ça réduit pas mal. Et là vous voyez que noir ne répond pas. Il dit je vais d'abord réduire ton coin en haut à gauche et peut-être ta base de vie. Donc blanc répond, noir recule, ici pour connecter en capturant cette pierre, et quand blanc fait ça, noir capture. Et c'est un énorme yossé, parce que en fait, quand blanc fait ça, noir ne va pas juste connecter. Il va dire, mais en fait, je peux jouer à 18, parce que tu ne peux pas jouer à 19. Donc, quand blanc fait B19, souvent on voulait faire l'échange ici de dire, je te sacrifie une pierre pour gagner le santé. Il faut d'abord que blanc capture la pierre en C19 pour pouvoir jouer à 19. Mais dans la partie, il vient directement jouer à 14, pour le CMI justement. C'est important, et aussi parce que peut-être il a peut-être envisagé d'autres choses pour attaquer la base de vie du groupe de blanc. Dans la partie du coup blanc atari comme je vous l'ai montré, et ensuite il vient faire le coup en F15, il commence à créer plein de coupes sur le groupe de noir. Alors le groupe de noir
de ce côté-là est tranquille parce qu'il a capturé la pierre, donc c'est ok. C'est plus à ce niveau-là qu'il faudra se poser des questions. Donc, Noir ferme maintenant la zone centrale, Blanc fait son œil en D5 et en même temps enlève une liberté aux pierres de Noir. Noir connecte de ce côté-là et il ne s'inquiète pas du tout. Hein. Regardez, Blanc n'a que 3 libertés en fait. Donc tant que Noir a plus que 3 libertés, c'est tout à fait correct. Et actuellement, il a plus que 3 libertés. Donc Blanc maintenant vient jouer H3 et on va avancer ici. Ça coupe. Noir, pas de problème pour l'instant, donc il continue. Blanc vient jouer O14. Franchement, c'est millimétré comme partie. Hein. C'est millimétré. S'enlever des libertés alors que faut faire gaffe quoi. Mais là, évidemment, menace de coupe, on a besoin de répondre. Ensuite, on continue, on fait des points pendant que l'adversaire il n'a pas le choix. L'adversaire ici n'a pas le choix. Même Blanc pourra jouer P15, faire 2 points et ne pas avoir le problème de liberté vu que Noir au-dessus n'a qu'une seule liberté et il capturera très simplement. N'oublions pas, T14 n'est toujours pas joué non plus. Donc dans la partie quand Noir connecte, Blanc vient jouer ce que je vous ai dit et ensuite il vient connecter sa pierre en H3 qui détruit pas mal de points sur ce bord bas. C'est vraiment une belle partie, hein, vraiment très très belle partie, c'est pixel la partie. Donc dans la partie, vous le voyez, Blanc a poussé, coupe ici, ça fait Atari sur les deux pierres. Si Noir connecte, Blanc peut peut-être dire maintenant, oui mais maintenant je peux jouer A15, A16, tu dois connecter et ici tu n'as qu'une seule liberté, si tu fais ça je peux capturer. Donc si je fais Atari, t'es obligé d'abandonner les pierres et moi je peux capturer. C'est énorme en termes de yossé, les amis. Donc ici, Noir capture directement et Blanc capture les deux pierres. Mais Noir a quand même lu qu'il avait assez de liberté. En jouant A12, il tue quand même le groupe de Blanc. Il gagne le Semeai. Donc Blanc fait le hané en T9, Noir Kosumi. Petit yossé. On pousse ici pour enlever des libertés et enlever les points qui se trouvent dans cette zone-là. Et puis on capture T14. La partie, les amis, Noir vient jouer cet échange, Atari. Et ensuite, il vient jouer K1. Un coup sente par rapport à la position de Blanc. Imaginons que ça joue ailleurs, ou par exemple celui-là. En fait, l'idée, c'est que, par exemple, Noir pourrait envisager M1, tout simplement, qui empêcherait non Blanc de jouer L1. Ce qui fait qu'on est obligé de dire, d'accord, je joue N1, et quand tu connectes, je fais ça, donc j'ai perdu pas mal de points. Il y a aussi pas mal de choses à réfléchir vis-à-vis de, très simplement, par exemple, le clamp ici. Si, par exemple, Blanc connecte là, on a cet échange-là à faire attention, et puis la connexion part en dessous, tout simplement. Et bien entendu, si on connecte là, bah là, il n'y a pas vraiment de problème, puisqu'il faut que Noir connecte et Blanc pourra capturer. Donc, pour l'instant, ça ne marche, ce coup-là ne fonctionne pas totalement, mais il y a quand même des choses à faire attention et à lire. C'est pour ça que je vous le montre. Dans la partie, du coup, Blanc descend L1, énorme coup, évidemment, à répondre, hein, goté, mais il y avait une très grosse réduction quand même possible, rien qu'avec M1. Noir joue le H19, qui pose des questions de vie sur le groupe de Blanc. Blanc descend, évidemment, il répond. Donc, tous les coups sont sentés, hein, on essaye de réduire en santé évidemment. Petit yossé et la partie, les amis, elle va se terminer du coup par ici. Il y a un petit coup qui se joue en bas à droite, mais la partie s'arrête là, les amis. Vous voyez que le semeai à gauche, c'est Noir qui va le gagner. Jonas Weltic remporte cette partie de 6,5 points, les amis. 6,5 points pour Jonas Weltic. Donc, belle victoire, belle partie, j'ai beaucoup aimé. C'était une partie assez compliquée, mine de rien, parce que Blanc faisait pas mal de points et Noir trouvait les moyens de se battre et à chaque fois. Et même si Noir a donné des pierres, finalement, l'écart n'est pas si énorme que ça. Noir a fait quand même pas mal de points avec le côté gauche et le centre, mine de rien, mais pas suffisamment pour gagner ce Grand Slam. Je rappelle, le Grand Slam, c'est quand même un énorme cash prize, donc tout... une bonne partie revient évidemment à Jonas Weltic et est partagée jusque dans les 16 joueurs. Je crois que de 8 à 16 ils ont un certain montant et après de 9 à 16 et de 8 à 1 évidemment ils sont le gain va être par rapport au classement que vous avez. En tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié la retransmission de ce Grand Slam en différé. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur une question ou un avis à donner. N'hésitez pas à télécharger le SVF qui se trouve dans la description pour voir vos propres variations. Je peux déjà vous dire que les prochaines vidéos que je ferai qui sont sur des parties européennes seront sur la Qualif Pro prochaine, puisqu'elle va être elle a déjà eu lieu, hein, si vous regardez cette vidéo. Mais du coup, les vidéos vont arriver, ne vous inquiétez pas, ça va être génial. Passez une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à la prochaine pour des prochains Européens Pro Série. Bye bye.